Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur irritant. Ça dit quoi ici? Apparemment, les gens essaient de forcément persister. Moi, je comprends pas. Hein. Déjà, je vais faire un petit clin d'œil à Adidas. Apparemment, ils sont en train de faire la publicité. Hein. Bon, comme ils m'ont pas envoyé, on n'a pas trop parlé. En tout cas, moi, j'aime bien la marque. Et je pense bien être géré de cette marque-là un jour. Inch'Allah, qui sait? Voilà, bref. Cette vidéo-là, c'est une deuxième réaction par rapport à la spécialité ivoirienne. Parce qu'apparemment, les gens sont en train de parler, parler, parler. Ils sont en train d'être convaincus, mais comme ils ont la honte sur eux, ils n'ont pas envie de reconnaître. Bon, si tu es fan des Bordeaux, faut liker, faut partager, faut t'abonner en masse. Et puis surtout, donne ton avis en commentaire pour me dire, à moi, irrite-toi si je mens, mais si je dis vrai. Et assieds-toi bien sur ton tabouret, parce que la vidéo va démarrer dans quelques instants. Voilà, on se prend juste après le générique. A tout à l'heure, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des firmes. Des... Spécialité ivoirienne, d'accord, mais vous connaissez versus fan d'abord. Le numéro est là, hein, vous voyez bien le numéro pendant que je suis en train de parler au bas de l'écran là. J'ai annoncé des artistes Serge Beno et Didier Arafat. Serge Beno et Didier Arafat. Donc tous les fans de Serge Beno, j'attends vos vidéos. J'attends vos vidéos en masse, parce que c'est demain 18h que je poste la première émission de versus fan. Je compte sur votre soutien, parce que cette émission là peut réussir seulement avec votre soutien. Moi j'ai déjà l'habitude de faire mes chroniques. Dieu merci, ça se comporte bien. Mais cette nouvelle émission-là dépend de vous. Voilà. Si vous faites de très belles vidéos et avec de très bons propos, de très bons arguments, je pense que la vidéo sera une référence dans le coupé décalé. Je sais pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Et je sais pourquoi j'ai créé cette émission-là. Elle va vraiment aider beaucoup, 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 beaucoup d'artistes et beaucoup, beaucoup de fans à s'unir. Voilà. Parce que les gens ne savent pas qu'indirectement, on se partage les mêmes artistes. On a juste des préférences en fait. Parce que c'est le coupé décalé d'abord qui gagne. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça ma politique. Mais petit à petit, ça va aller. Donc je compte vraiment sur vous. On attend vos vidéos. Envoyez vos vidéos de 5 minutes au moins. Sinon, si tu as fait 10 minutes, il n'y a pas grave. Il y a sacrifié mes data pour mettre la vidéo en ligne. Mais une très belle vidéo où tu dis pourquoi tu es fier d'être fan de Serge Beno. Tu essaies de faire la cause de ton artiste. Pourquoi ses qualités et tout. Et tu profites aussi pour dire aussi ce que tu n'aimes pas sur l'artiste. Ses petits côtés sombres que tu n'aimes pas et tout. Et puis tu expliques pourquoi, certes, tu respectes l'artiste qui est opposé à ton artiste, mais voilà pourquoi tu n'es pas fan. C'est là le hic en fait, c'est là la partie spéciale de cette émission là. Voilà, on va voir un peu ce que chacun des fans des artistes pense d'autres artistes. Voilà, c'est ça le but recherché en fait. Donc j'attends vos vidéos, max de vidéos, de belles vidéos, pas de propos grossiers. Faites comme Irito, blessé sans insulter. Voilà, c'est-à-dire dire la vérité en fait. Voilà. Donc je compte vraiment, 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 vraiment sur vous. Il y a un fan de Wangeli qui m'a dit que même tu parles plus de Wangeli là. C'est dû à quoi? Je parle toujours de Wangeli, il faut suivre mes vidéos. Wangeli, c'est un artiste de la diaspora ivoiro franco qui fait de la très bonne variété. Voilà. J'ai mis son lien un moment en description parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de liens à mettre. Voilà. Donc je compte vraiment, vraiment sur vous. Allez lui donner de la force. Allez lui donner de la force. J'espère aussi que vous continuez de commandez vos produits cosmétiques avec Maman Gas Village, c'est très important. Irito ne se met jamais dans le faux. Voilà. Moi-même, je teste les produits. Si vous remarquez bien, le teint d'Irito est en train de changer un peu. C'est en train de s'améliorer un peu. Apparemment, avant, on dit j'avais un teint sale. Merci Maman Gas Village. Voilà. Son Facebook, c'est Pélagie Gas. Allez, ajoutez-la et causez en inbox avec elle. Voilà, et puis commandez vos produits. Elle livre partout en France. Je vous informe aussi au passage, ils sont pressés de ma deuxième réaction des spécialités ivoiriennes. Calmez-vous, vous serez en jeu tout à l'heure. Que Princesse Ima arrive lourd, elle arrive très très lourd avec téléphone. Donc soyez prêts, tenez-vous prêts les amis. Le lien est toujours en description, allez vous abonner au max. Je compte vraiment 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 sur vous. C'est votre même serviteur Irito qui vous le demande. Voilà, montrez aux gens que Irito a une voix qui porte très 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 loin. Spécialité ivoirienne des Bordeaux Likoufa. Hier, j'ai tant bien que mal essayé d'expliquer un peu la force. La spécialité du morceau spécialité ivoirienne de Bordeaux Likoufa, mais apparemment j'ai pas été convaincant. Bon, sachez de prime abord que je ne cherche pas à vous convaincre, mais je cherche à vous dire certaines vérités que vous refusez d'admettre. C'est ça la vérité en fait. Voilà. Je vous comprends, c'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, je vous comprends. Quand l'artiste même de Bordeaux Likoufa, qui est mon artiste, envoie des pics à ses collègues lorsqu'ils sortent des morceaux, c'est normal que vous réagissez comme ça. Mais dire ou persister à dire que si ça a été ivoirienne de Bordeaux Likoufa est nul, franchement, c'est méchant. Je ne vais jamais cesser de le répéter, c'est méchant. Et puis c'est honteux même de la part des personnes qui disent ça. Parce que vous savez au fond de vous que spécialité ivoirienne est un chef-d'œuvre musical.
C'est pas tous les artistes du pays décalé. Laissons les artistes du pays décalé. C'est pas tous les artistes de Côte d'Ivoire qui peuvent faire ce que Debodo a fait là. Vous savez très bien que ce que j'ai envie de dire là. Je suis pas en train de mentir. C'est pas, je suis pas en train d'exagérer même. Vous savez que c'est animation là. Vous connaissez Nava Gâté, vous connaissez Aperitif Nyamukuti, vous connaissez American Soldier, vous connaissez Célébration, vous connaissez Pique, mais vous connaissez tout le son de Debodo. Mais c'est un artiste coupé décalé hors pair. Il est particulier. J'ai même envie de dire que c'est le plus fort du coupé décalé. Ça, c'est votre avis. Mais il est super, hyper talentueux. C'est le mec qui fait couper décalé avec breakdance. Quand il dit breakdance, genre avec danse robotique. Jamais fait dans le coupé décalé. C'est quelqu'un qui fait Zouglou décalé, on dira que Kérosène le fait. Mais franchement, le mec là, il est complet. Il est vraiment, vraiment, vraiment complet. Deux combis dans le coupé décalé, ça sera vraiment difficile à voir. Peut-être que ça existe. Je dirais peut-être Mix, DJ Léo. Mais il est particulier, ça faut le reconnaître. Est-ce que vous voyez un peu le travail qui s'est fait? On me dit non. Est-ce que Bébé Philippe a écouté le morceau spécialité? Hey, les meilleurs arrangements de Bébé Philippe, c'est avec Debodo Likoufa qui les réalise. Faut pas en passer menti. Vous savez très bien que c'est la vérité. Ne confondez pas Bébé Philippe met sa main dans un arrangement ou bien il essaie d'arranger un artiste qui mousse par plus grâce pour dire qu'il arrange mieux d'autres artistes que Debodo Likoufa. C'est fou. Il a déjà dit lui-même dans plusieurs interviews, dans plusieurs de ses vidéos, que parmi ces artistes qu'il arrange, son numéro 1, là, c'était Debodo Likoufa. Donc, compliqué, c'est un gros travail de recherche. Tu l'as pas lui, il est fort naturellement, c'est un génie dans les arrangements. C'est comme ça, Debodo lui dit, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Le morceau commence avec quoi? Avec, on appelle ça comment même en musique même, bon, j'ai oublié, c'est-à-dire avec une mélodie. Il n'y a pas de pied dedans. Il tue avec sa voix. Transition, on rentre en rythme boulot super. Il va tuer encore. Qu'est-ce que les gens disaient ici avec Agazakaza? Non, le mec, il fait sortir un morceau, on savait que lui, ce sont les textes. Dans ça, là, il n'y a pas de texte dedans. Les deux trucs couplés, je ne sais pas si c'est couplé ou quoi, il a dit en français, il a parlé en français, machin en français, ça vous est rentré dans votre oreille là. Ça, c'est, il n'a pas mis parole dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de vous à moi? Essayons d'être vrai et juste. Vous êtes convaincu par spécialité ivoirienne de Debodo Likoufa, mais vous faites semblant. Regardez comment il va vous attraper. On me dit. Debodo Likoufa est un artiste coupé décalé. Et c'est vrai qu'il est toujours le premier à crier que les gens sont en train de fuir le coupé décalé. Par ce morceau, on pourrait dire aussi qu'il est en train de fuir le coupé décalé. Mais je dirais non, je vous explique. En tout cas, moi et les tons, jamais je suis venu ici sur YouTube pour dire que un quelconque artiste vaut rien dans un nouveau registre qu'il essaie d'épouser. Non, jamais je l'ai dit. Prenons le cas de DJ Arafat. Voilà, parce que généralement, vous savez que la grosse rivalité, c'est DJ Arafat de Bordeaux. Donc, il y a une rivalité entre fans de Bordeaux et entre fans de DJ Arafat. Voilà ce qu'ils disent par rapport à la rivalité, voyons. C'est du coupé décalé ou bien c'est du Zouglou? C'est ni du Zouglou, c'est ni du coupé décalé. C'est une spécialité, si vous voulez. Voilà, il a créé un nouveau truc. Il fait plus de 3-4 transitions dans un morceau. Vous ne le respectez pas. Les Rougascas, c'est la mienne à la fin, là, c'est pas du coupé décalé. Le rythme Bolo Super est là. C'est, il ne peut pas chanter quand même tous les morceaux de la Côte d'Ivoire. Votre débat, il est vraiment, vraiment erroné, il est caduque même. Il n'a même pas de poids. Il ne peut pas chanter seulement sur un seul rythme. Il a choisi un rythme. Et c'est le plus super. On me dit c'est un rythme BT, c'est même pas un rythme BT. On pourra dire que le Zouglou peut s'allier à un rythme BT, mais le premier rythme, c'est même pas un rythme BT, c'est un rythme de l'Ouest. C'est pas c'est Yakuba ou Guéré ou Obé là. Boulot super là. Arrêtez un peu. Ah, vous ne connaissez pas. Non, bon, on n'est pas super, super, super grand connaisseur de la musique, mais il y a des bases là, au moins là, on n'a pas besoin de trop discuter. Le morceau ne vous plaît pas, je suis d'accord. Le morceau ne vaut rien, c'est faux. Allons au Congo, pour que vous compreniez quelque chose. Au Congo là, il y a deux rythmes musicaux. Il y a des chansons du terroir au Congo, hein. C'est-à-dire que tu mets des chansons du terroir, c'est des chansons traditionnelles. Mais il y a deux rythmes musicaux au Congo. Vous comprenez un peu? La rumba et le mdomolo. Et en Afrique ici, là, il y a deux pays seulement qui peuvent s'en inventer. La Côte d'Ivoire et le Congo. On dirait qu'on a triché un peu sur le Congolais, sur le mdomolo de Congolais pour créer notre coupé décalé. Mais au moins, on a imposé ce style-là. C'est sur ces deux pays-là. J'ai envie de réfléchir, de chercher un peu pour voir quel pays a ces deux richesses-là. A ces deux richesses de musique-là, chez elle et chez lui. Au Congo, mdomolo, rumba. Côte d'Ivoire, souglou, coupé décalé. Donc quand Fally vient faire de la rumba, chanter sur une beat rumba, il fait quoi? Il sait quoi? C'est un chanteur congolais simplement. Chez nous ici, on aime spécifier pour dire que lui c'est un chanteur coupé décalé, c'est un chanteur coupé décalé, c'est vrai. Mais c'est pour dire que quoi? De la même manière,
Fally chante du Ndombolo et de la Rumba. C'est de la même manière que tous les artistes coupés décalés, ainsi que de Bordeaux, peuvent chanter du Zouglou et du coupé décalé, même si c'est à la base artistes coupés décalés. Et c'est votre argument là, il tient toujours. Dites à Fally de ne plus faire la Rumba. Ou mettez à Fally de ne plus faire du Ndombolo qu'il a racheté son main registre. Moi je vous le dis toujours, hein. Parlez des autres, parce que moi je sais très bien ce que je dis. Jamais je vais lui dire ici que un artiste a épousé un autre mouvement, c'est pas bon. Non, j'ai dit simplement que sa base c'est le coupé décalé, surtout Arafat. Il est fort dans l'animation, donc il est bien dans l'animation. C'est ce que j'ai dit. En quoi est-ce que quand vous écoutez, c'est vous avez été bonnet de Koufara, c'est pas intéressant. Quelqu'un qui fait Zouglou, coupé décalé, et puis Bolo super. Vous vous asseyez chez vous à la maison, je ne sais pas si vos chaises, mais si vos tabourets, mais à même le sol, vous dites que si vous avez été bonnet de Koufara, vous rien. Moi, il a dit ici que ah, je ne m'attendais pas à ça, mais le morceau est intéressant, puis le morceau est en train de prendre. Ça faut reconnaître. Les gosses sont en tas dessus. Bon, j'espère que j'ai été convaincant. Hein. Voilà. L'essentiel, c'est pour vous dire que c'était une vérité. Voilà, je ne vais même pas être convaincant, parce que vous, en beau parler, vous n'allez jamais reconnaître. Max de partage, max d'abonnement, spécialité, il va venir toujours ma démo bientôt.